Bombe, mission du jour. Rien ne sert de sortir si vous tenez à la vie. Le message s'auto-détruira. Ah, c'est le virus de la dernière fois. Je ne peux pas vous la passer. Elle est au travail à l'hôpital. Elle est très débordée. Les hôpitaux pleurent, ils sont dépassés. Laissez-les respirer, restez chez vous. Nous n'irons plus au bois, nous sommes confinés. Le Covid que voilà nous y a bien forcés. Restez bien chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, nous irons jusqu'au bout. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis aide médico-psychologique à la PAMAD, donc j'interviens à domicile chez les personnes présentant un handicap. Alors souvent ce sont des personnes seules, isolées, qui ne peuvent pas sortir en fait, et avec le confinement on est souvent les seules personnes qui voient dans la journée. Alors vraiment je voulais à tous vous envoyer de la force, à tous mes collègues, à tous ceux qui travaillent dans le médico-social. Vraiment, il faut qu'on s'encourage tous les uns les autres, vraiment qu'on ne lâche rien, qu'on se batte pour ces personnes. Il y a 3 semaines, nous avons créé une chaîne du cœur, qui est une plateforme téléphonique qui permet à des bénévoles d'appeler des bénéficiaires à leur domicile pour apporter un peu de soleil, de bonne humeur et un peu des petites histoires qui se partagent. Bonjour, je m'appelle Sylvia. Je suis vendeuse et je fais partie de la plateforme téléphonique du cœur de l'APA. Juste un petit message de soutien à mes collègues. Continuons dans cette voie, nous apportons beaucoup de réconfort à ces personnes et c'est tellement gratifiant pour nous en cette période difficile. Ça vaut de l'or. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à téléphoner à toutes ces personnes qui m'ont reçue avec beaucoup de joie. Et surtout, ce qui m'a vraiment frappé avec beaucoup de reconnaissance. Chacun, chacune était touchée de ce que la PAMAD demande de leurs nouvelles.